Bonsoir à tous, il est 18h, c'est l'heure de votre récapitulatif ONU favori. Bienvenue à tous et bonne écoute. Nous allons donc vous présenter les rappels, les nouveautés du Orange, les nouveautés inter-serveurs, le jeu concours, puis nous finirons par les promotions et départs du Orange. Pour commencer, nous vous rappelons qu'il est indispensable de placer les panneaux pour les notations à votre FOME avec les coordonnées de vos nouvelles constructions. Par ailleurs, tous les grades du serveur recrutent, n'hésitez pas. Enfin, nous possédons également un Discord et un Twitter où nous postons diverses informations. Et bien sûr, un assassinat à programmer, rendez-vous sur le site de NG Orange. Pour les nouveautés du Orange, tout d'abord, un Warp Head pour les nouveaux joueurs a fait son apparition. Un endroit où les nouveaux joueurs peuvent poser leurs questions et se renseigner directement sur le jeu. Un panneau est mis à disposition pour appeler un modérateur et vous pourrez poser vos questions directement avec le micro sur le jeu. Ensuite, nos plus grandes félicitations à Gamingcraft du 80 qui passe responsable du journal. Ensuite, félicitations à Naïx qui passe responsable event du Orange et Fatality Tintin qui passe responsable de la mafia. Ensuite, l'item staff de Gamingcraft du 80 a fait son apparition et s'intitule « Le cerveau de gaming ». Et pour finir, le statisticien a donné le récap de ce qui s'est passé en janvier grâce aux analystes, merci à lui. Et le communicant est apparu aussi. Pour les nouveautés inter-serveurs, un très grand remerciement à Juju Paon pour son travail en tant que responsable admin. Il reste tout de même responsable des events. Ensuite, un tutoriel concernant le codex a fait son apparition à cette adresse. Et pour finir, une nouvelle édition de l'affrontement aura lieu le 18 pour Java et le 19 pour Bedrock qui se nomme Memory Yesteryear avec son trailer. C'est l'heure du jeu concours. Si vous avez bien suivi ce journal, il sera simple pour vous de répondre. La question est, comment s'appelle l'item staff de Gamingcraft ? Réponse A. Le cerveau de gaming. Réponse B, le bras de gaming. Pour tenter de remporter 1200$, répondez en commentaire et likez la vidéo. De plus, félicitations à Skelfooz qui a remporté le dernier jeu. Pour les promotions et les départs de cette semaine, au niveau du journal, merci à Tinuf, Fortgame, Evoxtaz, Nougati et Iceman16 pour leur investissement en tant qu'analyste et à Yangtib en tant que rédacteur à chef. Mais aussi félicitations à Tinuf qui passe présentateur. Félicitations également à YDBTH Aiden qui passe chef opérateur et Fracou24 qui passe rédacteur en chef. Également, toutes nos félicitations à Gamingcraft du 80 qui passe responsable journal. Au niveau de la gendarmerie, GG à Nils et ABC Lourd qui passe brigadier. Et on remercie Dylan06 pour son travail en tant que brigadier. Dans le staff, toutes nos plus grandes félicitations à Camon qui passe modérateur confirmé. C'est avec un grand remerciement que nous clôturons ce récapitulatif de l'ONU. Si vous avez des remarques à nous renseigner, n'hésitez pas à nous les écrire en commentaire. Nous espérons que vous avez passé une agréable écoute en notre compagnie et bien sûr, à la semaine prochaine.